Grand match international de football à Alger au stade municipal à l'occasion de l'accession des Algériens à l'indépendance. C'est M. Ben Bella qui préside ce match qui oppose l'Algérie, maillot foncé, à l'équipe des espoirs bulgares. Cette équipe de Bulgarie est actuellement l'une des meilleures formations européennes. Pour les Algériens, cette rencontre doit situer leur valeur sur le plan international. Dans le stade municipal d'Alger, qui ne contient pourtant que 12 000 places, il y a 20 000 personnes dans les tribunes qui ne demandent qu'à s'enthousiasmer. De fait, dès le début du match, les spectateurs assistent à un très beau football, rapide, incisif, où les Algériens se montrent les plus adroits. Les Bulgares en maillot blanc ont un peu plus de métier, on voit qu'ils ont l'habitude des grands matchs. Leurs attaques plus classiques sont cependant toutes stoppées par une défense algérienne remarquablement organisée. On reconnaît dans tout cela la patte de l'entraîneur de l'équipe algérienne, Kader Firout, qui en France dirige l'équipe de Nîmes, l'une des meilleures équipes françaises. Les deux équipes dominent à tour de rôle. Sur coup franc, les Bulgares sont à deux doigts de marquer, mais Boubekeur extraordinaire est à la parade. Auparavant, les Européens, à la 15e minute de jeu, ont marqué le premier but, un but douteux sifflé par les 20 000 spectateurs. En deuxième mi-temps, c'est toujours la série des attaques et des contre-attaques. Ici, départ irrésistible des Algériens, tout cela est remarquablement orchestré, mais la passe dans le trou est hors jeu. Malgré tout, les Bulgares ont eu chaud, d'ailleurs ça va beaucoup moins bien pour les Bulgares qu'au début du match. Les Algériens veulent égaliser, le match est passionnant, l'Algérie prouve qu'elle possède une grande équipe de football. Après avoir dominé un bon moment, ça y est, Zitouni marque le premier but. L'équipe d'Algérie ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Un match nul, ce serait déjà bien, cependant, elle veut réussir un résultat encore meilleur. Un magnifique tir de Medziani, 2-1. C'est du délire, l'équipe d'Algérie vient de prouver qu'elle sera bientôt l'une des grandes équipes internationales. Sa victoire sur la Bulgarie est pleine de promesses pour l'avenir.